Hello tout le monde, ici Hammerkick pour un nouvel épisode du Hammercato. Aujourd'hui, épisode spécial, on va parler de l'article publié par l'Overwatch League hier soir traitant de l'état des contrats de chaque joueur de l'Overwatch League actif. En effet, hier soir, l'Overwatch League a publié toutes ces informations et dans ce Hammercato, je vais tout vous résumer, vous dire pour chaque équipe qui est free agent, qui a un contrat pour 2021, etc, etc. On va vers chaque équipe, ça inclut donc les Paris Eternals. On en parle tout de suite, juste après l'intro. Aujourd'hui donc, on va parler de l'article que l'Overwatch League a publié hier soir sur le statut des contrats de chaque joueur de la Ligue. L'idée, c'est de résumer ça pour chacune des équipes, de A à Z, à commencer donc par les Atlanta Reign. Avant de commencer, un petit mot rapide sur un départ de coach côté Philly Fusion. KDG, le head coach coréen recruté en début de saison, est parti. Tout simplement, ça m'a personnellement surpris parce que le coaching staff de Fusion avait fait un très bon taf et Philadelphia en général avait fait un très bon taf. Donc je m'attendais à ce que KDG reste. Peut-être a-t-il une autre opportunité. Écoutez, on en saura plus tard, je pense. Ceci étant dit, maintenant, on ne va parler que des joueurs et de l'état de leur contrat. On s'y met, let's go! Avant de commencer cette longue liste, petite précision sur comment je vais classer le tout. Il y a 3 cas possibles pour chaque joueur et chaque contrat. Je commencerai par citer les joueurs qui ont un contrat actif pour 2021. Deux possibilités ici, soit l'option plus 1 a été exercée sur un contrat 2 ans plus 1, c'est-à-dire que le joueur avait signé pour 2 ans plus une année bonus si la structure et le joueur le souhaitaient. Du coup, il y a cette option qui existe et qui a été activée dans ce cas-là. Ou alors, juste le contrat est encore en cours, donc un contrat de 2 ou 3 ans selon les joueurs. Attention cependant, c'est pas parce qu'un joueur a re-signé pour 2021 qu'il va forcément jouer pour cette équipe. La possibilité du trade existe toujours. Par exemple, Doha a été re-signé en 2021, mais Dallas, s'il le souhaite, pourrait le trade dans une autre équipe et donc transférer le contrat vers cette autre équipe. Ce n'est pas un 100% donc si un joueur est re-signé dans une équipe, c'est plutôt un 70-80% on va dire. Retenez bien ça. Ensuite, je citerai les joueurs qui ne sont pas encore free agent, mais dont on ne sait pas forcément le sort. Des joueurs qui ont un contrat 2 plus 1, mais dont l'option n'a pas encore été activée. Elle pourrait être activée à l'avenir, ou alors ce ne sera pas le cas et le joueur passera free agent. Dans le cas des joueurs qui seront cités à ce moment précis, on ne sait pas encore quel sera leur sort dans l'équipe concernée. Enfin, les derniers joueurs que je citerai, ce sont ceux qui sont passés free agent. Ici aussi, deux cas de figure. Soit l'option plus 1 n'a pas été activée par l'équipe en question, de ce fait, le joueur passe free agent, ou alors simplement le contrat se termine. Dans ce cas précis, l'équipe peut re-signer le joueur en question, mais ce n'est pas garanti. La personne peut donc considérer ses options et potentiellement signer ailleurs. Même si bon, on va pas se mentir, si une option 2021 a été déclinée, il y a des chances pour que le joueur ne re-signe pas. Il y a certains cas où ce sera juste un nouveau contrat qui sera signé parce que l'acte ne correspondait pas, mais dans d'autres cas, la structure ne veut juste pas conserver le joueur. Maintenant que tout a été clarifié, on commence cette longue liste de l'état des contrats de chaque joueur de l'Overwatch League. Attention, la liste est vraiment longue, on en a pour une bonne dizaine, vingtaine de minutes même. Mettez-vous dans le rythme, installez-vous confortablement, c'est parti! Quoi de mieux pour commencer que l'équipe qui commence par la lettre A au tout début de l'alphabet? Chez Atlanta Reign, les joueurs qui ont signé un contrat pour 2021 sont Edison, Sharp, Gator, Hawk, Iris et Massa. Pas de surprise à ce niveau-là, ces 5 joueurs ont été excellents cette saison, c'est normal que Atlanta les conserve. Pour le reste, ce sont des free agents. Erster, Saossi et Pokpo ont vu leur option plus 1 décliner. Je m'attends à ce que des joueurs comme Erster et Saossi renégocient des contrats parce que ça restait des pièces maîtresses d'Atlanta cette saison. L'option de Fire n'a également pas été activée chez Atlanta, ça on en avait parlé dans un Hammercato précédent. Et également, les contrats de FRD et de Dogman ont expiré, ces joueurs sont donc free agents. A voir lesquels vont re-signer, j'ai pas forcément grand chose à ajouter à ce sujet, ça va dépendre des joueurs et de la structure ainsi que des offres que les personnes recevront. Ce sera évidemment à suivre.
pour Boston Uprising, on en a parlé dans le Hammercato précédent. Les joueurs Fusions, Punk, Myunbong et Colorex sont re-signés pour 2021. Même s'il y a une petite inconstance dans l'article, il est dit que pour Colorex, l'équipe peut encore activer son option. Cependant, Boston dans l'article a précisé que Colorex serait là en 2021. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'il y a une erreur dans l'article, je ne sais pas. Également, l'option de Jerry a été activée, ça on ne savait pas par contre, Jerry était encore en négociation pas plus tard qu'hier. Eh bien aujourd'hui, via l'article, on nous confirme que Jerry sera présent chez Boston en 2021. Pour terminer, deux joueurs sont free agent, Mikey et Elo. Eux ont déjà été annoncés il y a quelques jours par Boston Uprising, pas grand chose de plus à ajouter à ce sujet. Pour les Chengdu Hunters, deux joueurs ont déjà un contrat pour 2021, ce sont Liv et Molly, deux des pièces maîtresses des Hunters en 2020, pas de surprise à ce niveau. Sinon, pour tous les autres joueurs sauf Lengsa, l'option plus 1 est disponible mais n'a pas encore été activée. Ça concerne Jinmu, Heimeng, Elsa, Leityaung, Kyo et Yveltal. Lengsa, lui, est free agent, son option plus 1 n'a pas été activée et je doute qu'on le reverra chez les Chengdu Hunters. Pour terminer, Bacon Jack et Elting ont pris leur retraite d'Overwatch, ça on le savait déjà, et c'est à peu près tout pour la structure au Panda. Pour Dalassio, ça va être très simple, on en a parlé pas plus tard qu'hier, tout le monde excepté Doha et Free Agent. Voilà, ça c'est dit, on passe à la suite. Pour les Florida Mayhem, deux joueurs ont un contrat existant pour 2021, c'est Yaki et Gangnam Jin. Les deux joueurs de Runaway ont été impressionnants cette saison, pas de surprise à ce niveau-là, et de toute manière, c'était sur un contrat déjà existant. Fate, le main tank, lui, a son option plus 1 de disponible, Florida ne l'a pas encore activé, et on ne sait pas s'ils l'activeront pour l'instant. Le reste des joueurs sont Free Agent, BQB, Gargoyle, Karian, Bayrem et Chris. Karian, Bayrem et Chris, on savait déjà qu'ils quittaient Florida. Par contre, BQB et Gargoyle sont passés free agent et ça pourrait être d'excellentes pioches pour d'autres équipes au vu de leur talent. Même si je m'attends à ce que Florida et MM les récupèrent en 2021 ou du moins essaient de les récupérer. Enfin, Saya Player, lui, a pris sa retraite. Il est parti sur Valorant pour jouer avec T1. Pour les Guangzhou Charge, deux joueurs ont un contrat actif pour 2021. D'abord, le joueur chinois Aileen. Évidemment, il n'a fait que 2 ans pour l'instant. Il va faire sa 3e année en 2021. Et à ses côtés, il y aura Krong, l'off-tank coréen. King Krong, qui avait impressionné avec son Sigma en 2020 et lors de Summer Showdown, a vu son option plus 1 activée par les Guangzhou Charge. Il sera donc présent en 2021. Ryo également a une option plus 1 à disposition, celle-ci n'a pas encore été activée par la structure, on en saura plus avant le 13 novembre a priori. Pour le reste, tout le monde est free agent. Crystal, Shara, Neptuno et Waya n'ont pas été renouvelés, le plus 1 n'a pas été activé. Ça, ça avait déjà été annoncé par les Guangzhou Charge au préalable. Et également, des contrats expirent, notamment ceux de Happy, Nero et Shu. Ce sont 3 joueurs qui pourraient être très intéressants pour les équipes qui cherchent des free agents. Ça va être à surveiller de très très près. Pour Hangzhou Spark, pas mal de joueurs ont déjà un contrat pour 2021. Ça concerne Architect, Godsby, Gushue et IDK qui ont déjà un contrat existant. A noter que celui d'Architect c'était à la base celui de SF Shock signé pour 3 ans a priori. Il a été conservé par Spark ce contrat et du coup il va faire un an de plus à leur côté. Également, Love Tank QQ et le Flex Support chinois Coldest ont vu leur option plus 1 activée. Hier, je vous parlais de Coldest qui pouvait potentiellement remplacer BB. Au vu de la situation, ça me paraît être une réalité. Pour terminer, Ado, Adora, Ria et BB sont tous des free agents. Leur option plus 1 n'a pas été activée. Spark a déjà annoncé leur sort il y a quelques jours. L'équipe texane verte Houston Outlaws a un joueur signé pour 2021, c'est Hydration, le flex DPS et main tank des Houston Outlaws. C'est vrai que sa saison a été particulière, mais ça reste un spécialiste projectile très intéressant à exploiter. Pour le reste, Blazé, Lingzer et Moma ont une option plus 1 disponible mais qui n'a pas encore été activée. Si on en croit l'article, ça veut dire que Blazé et Lingzer ont tous les deux une option plus 1 qui n'a pas encore été activée malgré le fait qu'ils aient dit que Houston ne les garderait pas en 2021. C'est un cas assez particulier mais j'en sais pas plus à ce sujet. Dante, Bonk, Jaxi et Rappel, eux sont free agent. Pour les 3 supports que j'ai cités, l'option a été déclinée. Pour Dante, le contrat arrive à expiration. Je m'attends évidemment à ce que Houston essaie de récupérer Dante dans son roster. Ça pourrait être intéressant de continuer à fructifier ce qui est pour moi le joueur star de Houston.
Pour le reste, on sait déjà que Jexy ne renouvellera pas chez Houston Outlaws. Bonk et rappel, on n'a pas encore d'informations. On passe maintenant au L avec les London Spitfire et là c'est très intéressant. Il y a 4 joueurs qui ont un contrat actif pour 2021. Ces joueurs sont Glister, Bernard, Fuse et Sanguinar. La question maintenant, c'est est-ce que ces 4 joueurs seront présents dans le roster européen ou est-ce que Londres va essayer de les trade? Ce serait dommage d'avoir un Glister bench parce que le roster est 100% européen et qu'on ne pouvait pas jouer avec pour cette raison. Je m'attends à ce que soit ces 4 joueurs soient utilisés dans ce roster européen et on aurait donc un mix européen-coréen côté Spitfire, soit ces joueurs seront trade. Maintenant, pour quelle somme et est-ce que ce sera vraiment possible? Ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Sinon, pour le reste, ils ont tous quitté Spitfire via un accord mutuel, mais ça, on en a déjà parlé dans le Hammercato. Direction la Cité des Anges, à commencer par les Los Angeles Gladiators qui ont fait beaucoup parler d'eux pour l'instant. 4 joueurs ont vu leur option plus 1 utilisée. Birdring, Kevster, Mirror et Space sont les concernés, une bonne base pour débuter 2021. Le reste, ils sont simplement free agent. Pour Big Goose et Chaz, le contrat a expiré. Big Goose a pris sa retraite, Chaz n'a pas d'infos. Et derrière, Jaru, Bichou, Edge, Cloudy et OG n'ont pas été re-signés avec le plus 1 qui était disponible. Côté Valiant, les joueurs suivants ont vu leur option plus 1 activée. KSP, Shax, Dreamer, Lastro et Rain ont donc un contrat actif pour 2021. Pas de surprise là-dessus, au vu de la performance des joueurs cette saison, c'est normal que Valiant veuille les garder. KSF, le DPS flex américain, lui, a son option plus 1 de disponible et pour l'instant, Valiant n'a pas encore pris de décision. Reste alors McGravy, Geek et Apply, eux sont passés free agent, ça a été annoncé précédemment. Chez New York Excelsior, seul Mandu a un contrat actif. Pour le reste, Libero, Sebiolbi, Mano, Anamo et Jonak, il y a une option plus 1 de disponible qui n'a pas encore été activée par l'équipe. Pour le reste, ça a déjà été annoncé. Axel a pris sa retraite, Nene, Bianca, Wario et Odba ont été relâchés par New York Excelsior. L'option plus 1 n'a pas été activée. Et d'ailleurs, New York Excelsior hier après-midi a annoncé ne pas re-signer ses 4 joueurs. New York va donc repartir de zéro avec le vieux roster, on va dire. Tous les joueurs sont là depuis 2018, donc c'est intéressant comme manière de procéder. On verra ce que Excelsior a en tête plus tard a priori. On arrive sur la fin de l'alphabet et donc la lettre P. Il est temps de s'intéresser au Paris Eternal. 4 joueurs ont un contrat pour 2021. D'abord, FD God a un contrat toujours actif, il avait signé donc pour plus d'un an. Et également, l'option plus 1 de Sparkle, Exy et Albin a été activée par les Eternals. Pour ce qui est des Français, Nico, Soon et Benbest, ils ont une option plus 1 à disposition, mais pour l'instant, Paris n'a pas encore pris de décision à leur sujet. Reste alors 3 joueurs qui passent free agent. Nosmite, Smex et Fielder sont les personnes concernées. La structure a déjà annoncé que ces 3 joueurs ne reviendraient pas chez Paris Eternal en 2021. Tout ce qu'il nous reste à savoir, c'est le destin des joueurs français chez Paris Eternal. Et évidemment, je le rappelle une fois de plus, la possibilité de trade existe toujours. Sparkle, Albin et Exy ont beau avoir re-signé en 2021 avec Paris, ce n'est pas garanti que Paris sera l'équipe avec laquelle ils joueront l'année prochaine. C'est également le cas pour FD God qui lui, malgré avoir un contrat actif existant, pourrait être trade durant l'off-season. Ça, ce sera à suivre durant le Hammercato. Chez les Philadelphia Fusion, 4 joueurs ont un contrat actif pour 2021, à commencer par Carpe et Alarm, les 2 joueurs stars de l'équipe qui ont un contrat déjà actif pour 2021. Quant à Issou et Fony Astro, les 2 autres joueurs concernés, leur option plus 1 a été activée par la structure. 2 autres joueurs ont une option plus 1 mais qui n'a pas encore été activée ou ne sera pas activée. Ce sont Sado et Poco les concernés dans ce cas précis. En effet, Poco pourrait, si Fusion le décide, ne pas re-signer chez Philly Fusion. On en saura plus dans quelques semaines. Pour terminer avec Fusion, Shipsa, IQO, Ivy, Fury et Boombox sont tous passés free agent. Shipsa et IQO, leur option plus 1 a été déclinée par Philly. Ivy, Fury et Boombox, leur contrat a tout simplement expiré. C'est intéressant d'ailleurs. Boombox, on sait déjà qu'il ne reviendra pas chez Fusion. Ivy, on n'a pas d'informations, tout comme Fury. Et oui, Love Tank de légende Fury et free agent. Bon. Évidemment, Philadelphia Fusion fera une offre, ça c'est certain, mais si Fury souhaite partir, il peut se le permettre. Et derrière, je pense que n'importe quelle équipe serait intéressée de le recruter. Ça, écoutez, on verra par la suite.
Autre cas intéressant, c'est le champion en titre, les San Francisco Shock. Déjà, Shoyobin, Smurf ont un contrat déjà actif et qui va continuer sur 2021. L'option plus 1 de Hans, Striker, Taiyo et Twilight a été activée. Ils sont donc signés chez SF Shock en 2021. Évidemment, rien n'est impossible, ils pourraient être trade. C'est au niveau des free agents qu'il y a quelques surprises. Évidemment, ce sont des contrats qui expirent, certes, mais ça pourrait rendre l'off-season très intéressante. Les 4 joueurs qui passent au free agent à cause de l'expiration de leur contrat sont Rascal, Super, Moff et Violet. Bon, on a déjà parlé de Moff au préalable, mais t'as quand même un Rascal et un Violet en free agent, hein. C'est quand même pas rien. Super free agent également, ça fait bizarre à voir. Même si, je ne vais pas vous mentir, je m'attends à ce que SF Shock leur fasse de belles offres et qu'ils reviennent chez San Francisco. Ce serait étonnant que l'un des 4 parte ailleurs, à moins que cette personne ne cherche un nouveau défi. Ça, on en reparlera dans le Mercato. Pour la médaille d'argent, Séoul Dynasty, Creative a un contrat toujours actif pour 2021. Il sera donc signé chez Séoul en 2021, à moins d'un trade bien évidemment. Également, Jester et Profit, les 2 joueurs stars de Séoul, ont vu leur option plus 1 activée par la Dynasty. Marvel, Michel, Illicit et Fitz, quant à eux, ont une option plus 1 qui n'a pas encore été activée par Séoul, ou alors elle ne sera pas activée selon leur choix qui sera effectué avant le 13 novembre. Dans le cas de Michel et Illicit, les 2 ont posté sur Twitter qu'ils étaient free agent, donc l'option plus 1 a probablement été déclinée pendant la nuit. Au niveau des free agent, par contre, il y a de grosses surprises. Déjà, le contrat de Slime a expiré, il n'avait pas signé pour beaucoup dans tous les cas, donc c'est pas surprenant. Par contre, l'option plus 1 de Bidozin, Toby et Touyou n'a pas été activée. Qu'est-ce que Séoul a en tête à ce niveau-là? Est-ce qu'ils souhaitent renégocier des contrats pour chaque joueur? Ou est-ce que simplement ils ne reviendront pas chez Séoul? On n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais ce serait vraiment surprenant après une saison que Bidozin parte. Et surtout que Toby finalement quitte Séoul Dynasty après ses 3 ans. Ce serait également une grosse surprise. Tout de son côté, c'est un rookie. Il était très très bon avec Séoul et je m'attends à ce qu'on le revoie en Overwatch League. Évidemment, pour ces cas de free agent, on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans le Mercato. Le site 1 de la pack Shanghai Dragons a pas mal de ses joueurs déjà signés pour 2021. Déjà, Fleta, Leap, Standwan, Void et Ligegon ont un contrat déjà actif pour 2021. Ils avaient signé pour plusieurs années, pas de surprise là-dessus. Également, Fearless et Izayaki ont vu leur option plus 1 activée par la structure. Enfin, Ding, Diem, Dia, Geguri et Luffy ont leur contrat qui expire en 2020. Pas sûr qu'on les revoit en 2021, surtout Dink et Diem qu'on a très peu vu cette saison, à part Diem sur le Final Four bien évidemment. Dia lui c'est un two-way qui a joué avec la team CC, peut-être qu'il va partir dans une équipe chinoise comme Trophy Hunters ou alors chez Spark et Guangzhou s'il décide de recruter côté chinois. Geguri elle a très peu joué mais ça reste une très bonne off-tank et ça reste évidemment une personnalité très appréciée de la scène. Est-ce que Shanghai va vraiment la garder? Je ne sais pas, là je peux vraiment rien dire de plus à ce sujet, j'en ai absolument aucune idée, on verra bien j'ai envie de dire. Reste alors Luffy qui lui avait beaucoup joué en saison 2 mais en saison 3 Izayaki était préféré. Peut-être que Luffy ira ailleurs, ça écoutez on verra également. Pour Toronto Defiant, bah y a plus personne, littéralement tous les joueurs sont free agent et hier soir Toronto Defiant a annoncé le départ de tous les joueurs sauf pour l'instant de Logix, ce qui correspond donc au fait que tout le monde soit free agent. Qu'est-ce que Toronto a en tête? Est-ce qu'ils veulent rebuild autour de Logix? Repartir de zéro? En tout cas, les changements radicaux annoncés par le propriétaire ont eu lieu et c'est sûr que c'était très radical. Ça, c'est une certitude. L'autre structure canadienne, les Vancouver Titans, eux, ont re-signé Dalton, Shredlock et Rolf pour 2021. On en a parlé dans le Mercato d'hier d'ailleurs. Pour être précis, les 3 avaient une option plus 1 dans leur contrat et donc a été activée par les Vancouver Titans. Pour Tsuna, Keisei et Karkar, leur option 2021 a été déclinée, ils sont donc free agent. Et pareil pour Shockwave, lui son contrat a expiré par contre et évidemment c'est le point intéressant de ce mercato pour Vancouver. Vont-ils récupérer Shockwave ou va-t-il partir ailleurs? Telle est la question. Le joueur star des Titans a un bel avenir devant lui et où qu'il atterrisse, il aura de l'impact, ça c'est sûr et certain. On termine avec les Washington Justice. Tuba, Roar ont un contrat actif pour 2021 et là par contre il faut en parler.
Tuba, il avait donc signé pour 2 ans. Et donc c'est plutôt cool qu'il soit là à nouveau parce qu'il avait quand même fait de belles choses avec Washington cette saison malgré les difficultés avec tous les départs. Par contre, Rohr a encore un contrat actif. Waouh, ça je m'y attendais pas. Évidemment, Schwestis a récupéré le contrat de Gladiators. Ça confirme donc que Rohr avait signé pour 3 ans chez LA. Rohr qui a été le point faible de Washington et même bench pour laisser place à Dickes sur Lazaria et Janu sur ce chopper. Ouais. Je m'attends à ce qu'il y ait un autre main tank que chez Washington, mais si on veut vraiment jouer avec Rohr, j'espère qu'il se sera amélioré et qu'il aura beaucoup plus d'impact en 2021. Également au niveau Free Agent, l'option 2021 de Stitch, Janu, Mgot et Ark a été déclinée. Alors attention, encore une fois, les contrats peuvent être renégociés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, il y a peu de chances que ces joueurs reviennent si l'option n'a pas été activée. Ce serait vraiment dommage pour Washington avec un roster 100% coréen de perdre Stitch et Janu bien évidemment. On s'attendait à ce que la backline par contre ne revienne potentiellement pas. C'est des bons joueurs, certes, mais peut-être qu'on s'attend à plus. Reste alors DK, la star arrivée en fin de saison. Lui, son contrat a expiré, ça on s'y attendait et on verra ce qu'il deviendra par la suite. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ce que veulent dire l'état des contrats et sur les dates du mercato, je vous renvoie vers la vidéo de Suriplay qui détaille encore plus ça sur une vidéo de 5 minutes très intéressante. Je vous invite donc à aller jeter un œil après ma vidéo. Ouh, on a fait le tour les amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout est clair au niveau des informations. N'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a besoin. Moi en tout cas, j'ai dit ce qu'il y avait à dire sur l'état des contrats de chacun des joueurs. Le mercato continue, ça c'est une certitude. Je rappelle que le 24 octobre, la Free Agency ouvre. On pourra recruter des Free Agents côté Overwatch League. Et comme je l'ai dit précédemment, le mercato va s'accélérer à partir de là. Au moins, on va pouvoir entamer cette Free Agency avec des infos sur les contrats de chaque joueur. Ça va évidemment être très utile pour parler et analyser ces news mercato. D'ici là, pour ne pas manquer un épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de suivre le Twitter et de rejoindre le Discord pour être au courant de tout ce qui se passe dans mon actualité. Et d'ici là, passez une très bonne semaine et à bientôt. Salut !